Backstreet, la vidéo, c'est beau. Voilà, on roule depuis 2 heures et quelques et on arrive près de Cardiff. Et donc on doit traverser un bras de mer par l'autoroute. Et donc là on arrive au pont. C'est assez... assez beau. Ouais. On n'a pas filmé cool. L'accident alors qu'il y avait un bel accident. Ah ouais, c'est vrai. For the road, please. No? Ouais, dans ce côté. Hello. Ah ouais, son accent est fabuleux. Là, j'ai un peu honte. La meuf, elle parle à personne, quoi. Elle te fait juste un sourire. Ça va encore, elle sourit, quoi. Nous sommes un peu en retard, normalement on avait une entrée à 14h pour la Woo Experience, on a oublié les tickets dans la voiture, donc Vanessa est allée les chercher. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis vraiment à Cardiff puisque je suis dans le décor qui sert aux premières saisons de Torchwood. Et normalement Torchwood se trouve ici. Donc, je vais essayer d'aller voir si je peux me téléporter en bas, mais je suis pas sûr. Par contre c'est pas sérieux, ils ont rajouté des fraises dessus. Fait pas trop des gars qui combattent les aliens quand même. L'architecture de Cardiff est assez folle, on dirait un peu à Disneyland. Ils savent pas trop ce qu'ils font. On dirait que c'est plein de manèges différents. Sauf que là ça a l'air d'être juste une église. Je comprends pas bien la cohésion quand même de tout ça. Oh elle est mignonne cette maison. Mais qu'est-ce qu'elle branle là quoi. C'est-à-dire que le docteur il est là, il s'est posé par là. Il doit être dedans et il doit nous attendre. Bon voilà, on arrive. Maintenant il ne reste plus qu'à enjoy, comme disent les Anglais. Les Américains aussi d'ailleurs ont tendance à le dire. Tous les gens qui parlent anglais. Ah ouais, finalement, ouais. Ah, il va tomber, lui. Il va tomber. Non. Bon voilà, on vient de finir la Woo Experience. J'ai eu mon petit sac, comme quoi. J'ai aidé le docteur avec le TARDIS. C'est vachement bien, mais un peu court pour 6 heures de route aller-retour quand même. Ouais. Alors on va tester des trucs. Alors Vanessa est en train de boire une limonade rose. Ça ouais. Va ça va, c'est bon. Moi je vais boire une Curiosity Cola, Fermented Botanical Cola Drink with Ginger and Herbal Extract. Je sais pas, c'est bon. Je pense que ça va piquer un peu. Ça a pas l'air bon. Si, mais c'est du coca avec le goût de la ginger beer. Ah ouais? Ouais. Mais ça va. Ça fait rance, hein. Ça fait rance. De la boisson rance. Mais tu vois, c'est bon. De vieux. Ça fait vieux cola quand même. Ok. En tout cas, quand on est en Angleterre, il y a de la gelée. Et donc, il faut manger de la gelée. Tu veux ceci, j'en ai jamais mangé, je crois. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, ça, j'aime la gelée, moi, en France, mais la gelée sans goût. Là, c'est de la gelée à la fraise. Chimique. Mais ça veut dire quoi la gelée sans gouille, hein? Ça veut dire quoi? La transparente, celle qu'il y a autour des aspics. C'est bien un artichaut toi. Aspic. Explique-nous c'est quoi un aspic, parce que je suis sûr qu'à Paris, personne ne connaît. C'est des aspics? Je pense pas. Vas-y. C'est des sortes de flancs de gelée, et il y a des œufs dedans, prisonniers. Comme si, comme le moustique de... Comme le moustique dans Jurassic Park. Jurassic Park, sauf que tu peux le manger. C'est un aspic. Quoi, ça peut penser à l'aspic, moi. Écoute. Ah, moi j'aime bien. Ah, c'est chimique. Bah, elle est un peu liquide en plus.
Elle est pas bien faite. Ouais. Ici, il y a la Woo Experience. Et juste en face, à Cardiff, hein, là-bas, c'est les studios qu'ont construit la BBC pour pouvoir tourner uniquement Doctor Who et les spin-offs de Doctor Who. En gros, c'est là-bas qu'ont été tournés, avant qu'ils partent aux États-Unis, Torchwood, les épisodes de Doctor Who, la plupart, quand ils sont pas à Londres, et aussi la spin-off avec, je sais plus, la meuf, la série pour les enfants où il y a Canine dedans. Voilà, c'est juste là, quoi. Mais malheureusement, on peut pas visiter. Vous savez sûrement que le TARDIS de Dr. Who est une blue box qui était utilisée par la police anglaise dans les années 60. Et c'est pour ça que le docteur a transformé sa blue box, enfin son vaisseau, en blue box. Et toutes ces blue box ont disparu de Londres, mais il en reste une qu'ils ont gardée justement en hommage à Dr. Who, à Earls Court Station à Londres. Et donc vous pouvez avoir une vraie blue box dans la ville. On a déjà mangé chez Byron et c'était vachement bon. C'est des hamburgers bien anglais, cool. Et là, on va chez GBK, Greatest Burger. Je sais pas. Ça a l'air bon. En tout cas, ça a l'air bon. Donc, on va chercher. Le Kiwi Burger, quoi. Bon, le choix est difficile. Hein. Soit on mange Zizi, soit on mange burger. Je crois qu'on va manger burger quand même. Mais manger chez Zizi, ça fait envie quand même. Voilà, ce voyage à Londres est terminé. Alors, la fin était un petit peu abrupte. Voilà pourquoi je fais une petite vidéo. Puisque au bout de 4 jours à Londres, on était tellement fatigué que déjà je parlais plus. Alors quand je parle plus, c'est que soit je suis très très en colère, soit je suis très très fatigué. Et donc, au final, je pensais même plus à filmer. Donc, ben voilà, on a mangé au GBK, et c'est vraiment le meilleur restaurant que j'ai goûté à Londres. Je vous invite à y aller. En tout cas, le meilleur restaurant de burger. Et puis, ben, j'y retourne à Londres en octobre, avec deux amis, avec Yuri et Rémi. Donc, ben, des vidéos sur Londres vont revenir sur mon blog. Je crois que c'est ma ville préférée. Je crois. Je vous dis à bientôt. Suivez mon blog. Bientôt de nouvelles bandes dessinées. Bientôt de la petite mort. Le jeu vidéo de la petite mort. Et plein d'autres choses. Au revoir. Pourtant, que la montagne est belle.